Vous avez la CNIL qui régulièrement, évidemment, fait attention à vos données personnelles. Et puis, évidemment, le Conseil d'État qui peut réagir sur différentes choses. Et ça devrait être en France, mais pas simplement à Paris, oui, justement. Vous pouvez vous poser des questions, vous qui venez des quatre coins de France et du monde. Je titre également sur le Covid-19. Très peu de personnes sont parties voir ce live, qui est important. C'est un article que j'ai lu d'un professeur. Je crois que c'est un professeur qui écrit sur la vie sociale, sur la vie en général, sur des problèmes économiques et sociaux. J'ai titré Covid-19, comme il a titré dans son article, le prétexte d'un totalitarisme numérique. Et j'ai bien aimé lire ce qu'il avait écrit, puisqu'il reprenait beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement. Et puis j'ai eu même un commentaire, je tiens à vous le dire, de quelqu'un qui parlait donc d'un article un petit peu trop, quoi, osé, trop, qui partait dans le complotisme. Et moi, je tiens à vous dire, on peut toujours catégoriser, mais c'est pas pour ça qu'on va perdre nous-mêmes notre esprit critique en face de ceux qui vont écrire ce qu'ils veulent écrire. Il ne s'agissait pas de complotisme, il s'agissait de récupérer pour ce monsieur, et ce que je fais également, eh bien, ce qui peut tomber comme actu régulièrement, pour évidemment se poser les bonnes questions. Le Covid-19 sert-il de prétexte à un totalitarisme numérique? Et c'est parti de Chine, et depuis c'est arrivé en Europe, c'est parti aux États-Unis, et on a de plus en plus des nouvelles technologies qui permettent une surveillance de masse beaucoup plus importante. Et ça, tout le monde, enfin, ne le voit pas forcément, mais on est un certain nombre à le comprendre. J'ai également titré « Des hackers menacent de divulguer des infos compromettantes sur Trump ». Ça concerne du ransomware, avec non seulement des infos sur Trump, là, on n'est pas forcément complètement sûr. Ils ont précisé avoir vendu par lot des données récupérées par rapport à leur chantage, par rapport à des ransomware, et c'est-à-dire ils cryptent vos données sur vos ordinateurs ou vos téléphones. Ils vous demandent une rançon, si vous ne la payez pas, ils divulguent vos informations, ou en tout cas, vous ne pouvez plus récupérer vos infos. Ils ont des infos sur les 10 Gaga. Ils les ont vendus apparemment il y a 2 Go 2. Sur Trump, c'est fait. Sur Madonna, ça va être fait. Il y en a aussi sur Bruce Springsteen, sur d'autres personnes assez connues. C'est en rapport avec un cabinet d'avocats qui s'est fait pirater. Ça, c'est officiel. J'ai également parlé, alors, pour la surveillance de cet avion qui filme les habitants de Baltimore du matin jusqu'au soir. Après, il y en a qui m'ont demandé, mais c'est quoi cette histoire ? Un avion qui filme les habitants du matin jusqu'au soir. Oui, c'est une nouvelle qui est tombée en 2016. J'en ai parlé aussi en 2017. C'est-à-dire qu'à Baltimore, la première fois, il y a 4 ans, vous avez un individu qui était auparavant dans l'armée américaine, un ingénieur qui a donc conçu un système de surveillance pour encercler une ville tout entière, de la filmer du matin jusqu'au soir, avec des caméras assez sophistiquées. Là, il précise, depuis le scandale qui a eu lieu il y a 4 ans, qu'il ne va pas pouvoir filmer votre visage. Si vous passez à Baltimore, pendant 6 mois, un test est réalisé. Il va seulement avoir un pixel de votre tête. Sauf qu'il y a 4 ans, il précisait que sa technologie permettait de filmer les visages, d'enregistrer des plaques d'immatriculation avec un degré de précision maximum. Donc là, on est là pour rassurer évidemment le quidam, le lambda, le peuple. Mais il s'agit certainement donc de caméras très sophistiquées sur lesquelles on peut poser des filtres ou pas du tout. On peut désormais vous filmer du matin jusqu'au soir pour savoir où vous étiez, où vous allez. J'ai même titré dernièrement, oui, le 5e podcast, des preuves d'un univers parallèle découverte en Antarctique. Par rapport à des neutrinos, par rapport à des... comment ça s'appelle ? Des atomes, des... on parle souvent d'ondes radio, on parle également donc de tout ce qui est donc de tout ce qui bombarde la Terre. Ils arrivent à récupérer tout ça, ils l'ont fait en Antarctique avec des ballons sondes, avec des antennes très précises, et ils ont peut-être émis l'hypothèse, qu'il y aurait un univers parallèle qui fonctionnerait à l'envers, qui serait basé collé au niveau de notre Terre, ce qui me semble assez farfelu, mais j'aime bien l'histoire. Je n'ai pas forcément compris comment ça pouvait donc se coller tout ça. Donc je vais faire un moment fort pour avoir en première partie le résumé, le podcast 13h30, 14h15.